Une pierre deux coups, c'est ce que les agents de la 100.6 Thiès FM RTS ont fait en célébrant ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse et la fête du 1er mai. Et ce, grâce à la direction régionale, mais aussi le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous avons choisi de célébrer donc la Journée mondiale du travail aujourd'hui, qui coïncide ce jour donc qui coïncide avec la Journée mondiale de la presse. C'est parce que tout le monde sait que la fête du 1er mai n'est pas de tout repos donc pour les journalistes. Certains étaient sur le terrain, une partie du personnel. Alors nous avons choisi donc de la fêter aujourd'hui. Une journée qui coïncide avec la Journée mondiale de la presse. C'est l'occasion pour exalter donc les confrères, mais surtout la jeune génération à œuvrer pour une presse beaucoup plus responsable, mais surtout pour le respect du code de la presse et de l'éthique et de la déontologie. Quand on dit fête du travail, c'est bien sûr l'échange, c'est l'heure de faire le bilan et les perspectives. Échange, c'était l'occasion avec le syndicat SENPAP de revenir sur les acquis de tout ce qu'on, les acquis de la direction générale, parce que le SENPAP, je le rappelle, est c'est un bon vouloir des agents de la RTS. Cette journée, je pense que Ndaïssatou Tamba, la chef de département, est revenue là-dessus. Ce que je souhaite personnellement, c'est que tous les journalistes puissent faire leur travail normalement et qu'aucun journaliste ne soit traduit en justice. C'est mon souhait et c'est mon vœu. Donc nous, agents de la RTS de Thiès, voulu donc célébrer aujourd'hui cette fête du travail, puisque le premier, les agents étaient un peu sur le terrain, et ensuite Dakar était le centre d'attraction. Et puis en même temps aussi, nous avons voulu également que cette journée soit une journée également importante dans la vie quand même du SENPAP, puisque c'est un syndicat, comme je l'ai dit, c'est un bébé qui quand même grandit vite, parce que c'est un bébé qui vient pour vraiment prôner un consensus. Le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public a saisi l'occasion de cette double célébration pour se réjouir des avancées notées dans les conditions de travail des agents grâce à la direction générale. Soit une journée également importante dans la vie quand même du SENPAP, puisque c'est un syndicat, comme je l'ai dit, c'est un bébé qui quand même grandit vite, parce que c'est un bébé qui vient pour vraiment prôner un consensus. Un consensus, c'est-à-dire discuter, dialoguer avec la direction générale pour trouver des solutions, pour trouver également des moyens d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents de la RTS. Et je parlais tout à l'heure d'équité territoriale, parce qu'avant, les agents des régions, pour pouvoir avancer par rapport à un plan de carrière, il fallait aller jusqu'à Dakar. C'est pourquoi chacun voulait une affectation sur Dakar, pour pouvoir maintenant même être un chef d'unité. Maintenant, il y a la direction, franchement, a fait une grosse révolution au niveau des régions, puisque maintenant il y a un chef de département, un chef de service, des chefs d'unité technique, finances, informations, programmes et autres. Donc ça veut dire que maintenant, cette dignité-là, la direction générale l'a rendue aux agents des régions. C'est pourquoi ici, par exemple, prenant le cas de Thiès, nous sommes pratiquement ici à 100% d'adhérents pour le SENPAP. Donc c'est important. Et le SENPAP également a constaté également que les travailleurs ont quand même deux soucis majeurs actuellement. C'est l'augmentation des salaires qui est en bonne voie, mais également derrière les terrains aussi, pour l'habitat, qui est un problématique quand même, un problème
énorme pour les travailleurs. Je pense que tout ça, nous allons en discuter avec la direction et c'est en très 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 bonne voie. Nous avons discuté des acquis donc de la direction générale qui n'a cessé donc d'œuvrer pour donc revaloriser le travail et la dignité humaine des agents des stations régionales, parce qu'avant tout se faisait à Dakar, même pour être promu chef unité ou responsable quelque part, il fallait être à Dakar. Certains agents sont allés à la retraite sans pour autant avoir la chance d'être promis quelque chose, mais grâce à la nouvelle réorganisation et le pragmatisme donc du directeur général Racine Tala, il y a eu des nominations. Avant c'était le chef de station, mais il y a eu des nominations, les régions ont été les chefs de station sont promus chefs de département, et puis il y a des chefs d'information et de programme. Depuis qu'il est à la tête de la RTS, le directeur général Racine Tala fait de la vision du chef de l'État le fait que tout un chacun doit se sentir à l'aise là où il est, dans de bonnes conditions de travail, et c'est ce qu'il est en train de faire en dotant la radio de matériel, d'équipement tout neuf et de mobilier de bureau dans toutes les stations régionales. Et la bonne nouvelle aussi, dans le cadre de la mission du service public de la RTS, une unité télévision donc a été mise sur pied ici à Thiès, et ça fait énormément plaisir. Le Saint-Pape, qui a choisi la négociation à la revendication, s'est réjoui de la décision prise par la direction générale pour la réhabilitation des locaux vétustes de la station régionale de la radio-télévision sénégalaise de Thiès.